Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canada qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Alice, retour au pays de la folie, live, sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon. On débute le chapitre 3. Pas un chat d'habitude qui nous donne notre chemin. Tu fais la concierge? Ouais, j'ai le droit de savoir. Pour ça, vous n'aurez qu'une poignée de main. Étant donné la qualité... Reckless est un avocat. Noël, qui est là? Alice Liddell, monsieur Radcliffe. Ah, enfin. Vous feriez mieux d'entrer. Je vous ouvre. Vous avez mon lapin. Et vos bonnes manières. Où donc les avez-vous laissés? Les auriez-vous abandonnés à l'asile de Rutledge, ma chère? Nous en avons déjà parlé. En colère, comme toujours, prenant les gens de haut et accusant à tout bout de champ. J'aurais volé son lapin. C'est vraiment ridicule. Elle est revenue pour l'incendie. Elle n'a que ses mots à la bouche. Les comptes rendus parlent tous d'une mort accidentelle. Elle n'y croit guère, rabâchant toujours ses maudits souvenirs, sa quête de vérité. Voilà la vérité. Le chat de la maison a tout simplement renversé une lampe dans la bibliothèque. Les flammes ont piégé ses parents à l'étage. Sa sœur Lizzie n'a même pas tenté de fuir. Elle est morte dans ce monde. Le pauvre chat est le seul coupable, mais pas pour Alice. C'est absurde, impossible, etc. La pauvre enfant. Dès le début, j'ai soupçonné la fille d'être pyromane. Elle fait une fixation sur le feu. Mais comment le prouver? Elle insistait pour voir le rapport du légiste. Mon Dieu, quelle horreur. J'ai souvent pensé qu'elle n'était pas tout à fait innocente dans cette tragédie. Elle a souffert de graves épisodes psychotiques. Lui ai-je arraché la tête? Je voulais. Ma pauvre tête va exploser. Est-ce folie de vouloir de meilleures hallucinations? Peut-être mon sort est-il de mourir ici? La barricade de ceux de l'inadisérable. Il n'a pas vendu l'endroit, mais l'a quitté précipitamment. Je ne peux pas passer par là. Je me souviens d'une porte à l'arrière. Le train. Le train château. Ah, moi, le château de la Reine de Cœur. Quel épouvantable ravage!
Le pays des merveilles est corrompu. Le monde diabolique te fait peur? Cet enfer auquel tu fais face n'est peut-être qu'une illusion. Tu ne mens pas si bien que ça, et je ne suis pas aussi bête. J'aurais cependant préféré quelque chose de moins néfaste. Tout ceci est arrivé par ta faute, Lidl, et ne va sûrement pas s'arranger. Ton train avance à un rythme infernal. Va-t'en, le temps n'attend pas, le changement est en route. Le train à lui seul suffit. Eh ben, dis, sir. Le chat. Trouve-toi autre chose à faire. Y a-t-il donc si peu d'espoir? Encore moins que ça. Et si la peur te bloque, nous sommes perdus. Ah bah les maudites. Donc, chapitre 3 sur 5. C'est quand même super bien fait pour un jeu de 360, hein? Déjà. Oh, on connaît tout ça. La pipe. D'opium de la chenille. Non, prends, Yel. Mon voyage commence toujours par un premier pas. Mon premier pas sur London Bridge pourrait être le dernier. Alice la Trouillarde, c'est ce que tu veux voir écrit sur ta tombe? Je me demande si elle a été rematérialisée, mais quand tu joues, c'est marqué 360. Fait... Puis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ce rebord vaporeux ne sera aussi fragile et impalpable que ta confiance. Il t'aidera, crois-moi. Et hier, je t'ai rendu à un endroit, là, tombe dans le vide, puis tombe dans le vide, puis tombe dans le vide. J'ai commencé à venir ma patience, là. J'étais chanceux, je l'ai eu. Mais quand tu l'as... Ah, oh, tabarnak. Si quand tu sautes, tu vois plus rien. Si ça, c'est un problème, là. On est trop dans le... Directement dans le personnage, puis on voit rien du tout.
Quand le temps qu'il est, sûrement aller faire du ski à soi, puis faire un stream. Ah, un ski. Y'a encore de la bouffe? J'imagine que tu fais de la bouffe là, ce serait plate de pas manger. Non, je fais pas de nourriture, j'ai arrêté de manger, dis. Ah, mon couteau au maximum, on peut l'augmenter. Cheval, on l'a augmenté. Théière en canon. Invitez vos amis à prendre le thé. Ce sera canon. La théière canon est très efficace contre les groupes ennemis. RT. Alors je t'en tire pour augmenter l'étendue. La théière canon peut détruire des surfaces fragiles à distance. Passe du moulin à théière en utilisant... Ok, c'est ça la question que je me posais. Ah, pas lui. Ah non, reste tout le temps à manger, te lâche-moi! Il va t'arrêter ça?
Es-tu là? Bon, écoutez, un coup de bombe à la fin. Ben tantôt j'ai vu le train finalement, je l'ai vu vite fait dans une cinématique, puis c'était un train comme un château. Ben, je me dis que c'est peut-être elle la boss. Pourquoi pas quand je mets un vise automatique, c'est là que ça va. Quel désastre! Qu'est-il advenu de ma belle vallée? Le temps passe et les choses changent, souvent pour le pire. Aucune famille n'est à l'abri d'une telle catastrophe, Miss Liddon. Bien sûr, le malheur d'une famille pourrait bien faire le bonheur d'une autre, ou de la seule membre qui aurait survécu, si vous me comprenez. Elle s'appelle Alice Liddle. Je savais pas que c'était Liddle, son nom. Non, mais les échanges, bah tu me l'as.
Viens, toi. Bon. As-tu joué un peu hier à un jeu? Alice la rebelle. Non, Rémi. Oh yeah, j'ai participé à un stream d'impro, jeu de la lutte. Ouais, t'es fan de lutte? Putain. J'aime les hommes qui crient pour rien. J'étais un grand fan de lutte quand j'étais jeune, jusqu'à ma début vingtaine. J'ai même un de mes amis qui est champion. Il a battu le record de Carpentier au Québec pour plus longtemps champion. C'est mon meilleur ami pour longtemps à l'école.
Un tabarnak. Là, je m'en vais là, mais j'ai pas tout fini par là, là. J'ai vu ça tantôt, là. Je sais pas si tu connais les lutteurs québécois locaux un peu, là. Marco Estrada, je sais pas si t'as dit de quoi. Non, mauvais saut ça. On essaie une dernière fois par là. Allez. Oh oui. Ah bah ben ça c'est mon, c'était mon best chum à l'école. On luttait derrière chez eux lui. Il vit à... Moi je viens d'une petite place qui s'appelle Chupagan, on était à l'école à Chupagan, mais lui il vient du Goulet. Moi je viens de Pointe-Sauvage. C'est comme à 2 minutes d'ici. C'est avec lui que j'étais voir WrestleMania 18. Moi c'est ça, j'étais voir WrestleMania 18 avec Marc. Le lendemain, on était voir Raw à Montréal. Puis le lendemain, j'ai arrêté de surveiller la lutte. Je sais pas si j'avais accompli quoi de ma vie ou... C'était fini après ça. Puis WrestleMania, c'était à Toronto, là, c'était pas à Montréal. Là. Raw était à Montréal le lendemain. Armand Mémoire! Salut Armand, comment ça va? Tu viens d'où, mon cher ami? Je le suis sur Facebook, là. Il est drôle en tabarnak, ces vidéos, là. Enfin, il me fait rire. Bon. Là, on voit qu'il y a eu un petit... Salut Armand, tu viens d'où mon cher ami?
Sérieux, toi? Ouais, viens par ici que je te tue. Je peux. Armand, tu t'as créé un camp hier? Rester longtemps. Salut, moi c'est Armand, moi je suis parti. Bon. Bon, ce que je vois, moi. Une horloge là-bas, mais je sais pas si faut que je vise là. Oh, c'était peut-être ça? Non, c'est zéro ça. Ah. C'est ça. C'est que j'ai des affaires de même. J'ai assez ça là, jouer dans le vide de même là. J'ai fumé une cigarette, Alice. C'est dégoûtant. Un jour, j'essaierai la pipe. Chris, oui, championne. Je sais pas où faut aller. Hein. On dirait qu'il y a quelque chose là-bas, mais. C'est-tu le début, ça? Ah ouais, c'est le début, ce petit lapin crétin. Ah non, faut toujours commencer ça. Tabarouette des foires. Ah.
cette vision, cette infection, ce sinistre bruit, qu'as-tu imaginé, Lidl? C'est pas par là, faut que je vais. Ben oui, c'est par là, faut que je vais, mais il y a d'autres choses par ici. J'ai oublié de garder avant ce que tu t'en allais. Ah, oh, nice, deux fois de suite. Champion. Tu me lâchais? Oh, j'ai tombé dessus! Oh, j'ai tombé en bas. Calice! Tabarnak! Wow. Ouf, j'allais mauvaise place. Ah oui, man.
Ah, oh, t'es con! Tout ça, finalement, revenir à la même calice de place. J'avais mal vu les affaires, en tout cas. Caboche. Je donnerais pas un trophée là-dessus, là. Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise. Monsieur Couillard, bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon cher ami. Ça fait super plaisir, t'as follow, yeah! Tu n'es pas le centre du monde, Alice. Regarde les ravages autour de toi. Essaie de comprendre. Ensuite, viens avec moi. Essaie de comprendre, Alice. Bon, je suis posé monter là, moi, là. Pas Mario Bros, ça, Mario 64, là, y'a pas de triple jump et double jump là-dedans, là. Ah, c'est là. N'est guère appétissante, pas plus que celle d'un rat d'égout. Avance. Monsieur Couillard, t'es là? Animation! Oh, c'est beau. Connais-tu le dicton « fumer retarde la croissance » ? C'est ce que disent les adultes aux enfants, tout en fumant ostensiblement leur pipe. Il n'est pas utile d'inhaler, laisse seulement la fumée t'envelopper.
l'est mystérieux. Il a fait un hit and run. Le Yeti de Betty Seville. What's up? Ah, Monsieur Couillon est encore là. Je parle pas, mais il est là. Bon. Où on suit? Hey, t'es chez Caribou. Prends ta chaise, puis regarde-moi, hein. Les Yeti de Betty Seville, bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon cher ami. Ça fait super plaisir, ton follow. Oh, yeah! Oh non, ça fait pas partie. Zut. Je me crisserai pas à l'eau pour une dent. Ah, oh, là-bas, j'aurais pu y aller là, par exemple. Au 525. Ah, mais j'ai 700. La terre de canon évoluée. Vous jouez à quel jeu, les gars? Monsieur Kouya, les Yeti, vous jouez à quel jeu, principalement? Et un cochon. Ben là, là, je le vois pas, là. Ah, il est là. C'est là, hein? Je suis rendu, là. Voilà. Ben, elle est là, moi.
Ah oui, je peux. Ah, stick, je suis... Non ! Ah, mon dieu. Red Dead Redemption 2 pour le moment. Ah! Es-tu sur le Xbox Game Pass? Oh, c'est là. Mais comment je posais? Elle est là, moi. Quiconque prétend que l'art véritable ne sert ni la beauté ni l'utilité, ignore tout de l'esthétique orientale. Tu l'as acheté? Je pense qu'on va essayer un nouveau jeu après. Je vais prendre... je vais arrêter de bien... Dès qu'il y a une sauvegarde, je vais arrêter ce jeu-là pour... Oh putain. Et on va starter un nouveau jeu qui a sorti sur Xbox Game Pass. Je suis pas sûr que ça va m'intéresser, mais il y a eu des bons commentaires, donc on peut risque de l'essayer. Ah, tu es sur PC, toi. Moi, je suis Xbox Series X. N'a rien d'un marin, encore moins d'un capitaine. Nous serions encore sur la Tamise si je n'avais pas ramé. Je vais me faire de quoi 2 secondes. Ah, mais je vais le faire par PC, tiens. Je vais le faire pour mon téléphone, moi de troupe. Si vous avez rien à faire, vous pouvez donner un follow puis donner bonne fête à une de mes connaissances de par ici. Là. C'est sa fête aujourd'hui, demain, mais elle fête aujourd'hui en stream. Fait... D'être quoi? Quand vous avez rien à faire, vous pouvez passer dire un petit coucou, un petit follow, un petit bonne fête. J'ai une fille de Paris City. Elle joue du Fortnite puis du Valorant. Et elle a le vrai accent de Paris City, là. Un peu plus. Toi, mon Yeti, tu viens d'où?
Elle a eu 28 ans aujourd'hui. Ah, tabarnak! Je peux même pas marcher sur un trottoir, esti. Ben, pourquoi ça s'est tourné tout seul? Ok, t'es un Québécois. C'est pas ta faute. Tu joues à des Battle Royale ou tu joues uniquement à des jeux comme... avec une histoire? Voilà tout, un peu comme moi. Hein. L'infirmière Whitless a dit « Le feu a pris, elle s'est enflammée comme un feu de la Saint-Jean. Comment a-t-elle pu survivre, seule Alice le sait, mais elle reste muette, n'est-ce pas ?» Oh ! À nouveau, la Gabe Samurai, à nouveau mince. Ouch. Viens, tabarnak. Hein, y'a plus de masse, ce Samurai, hein? Ouch. Amusez-vous avec les lapins. Pourquoi? Ah bah tiens, il me fait sauter du bon côté, c'est parfait ça.
Ok, toi. Eh, hey, t'as-tu fini ou il y en a 3? La prochaine arme que j'améliore, c'est mon cheval. C'est ce que je suis en train de faire. Le marteau. On a sauvegardé dans cet étui pour l'aventure du jeu. Alice, retour au pays de la folie live sur la chaîne du Caribou canadien. Ah oui.